Tu vas à l'église, mais je crois que ton église, au contraire, ça te possède. Je crois que ton église ne te fait pas avancer. Je crois que ton église te mettrait en retard. Car je ne sais pas ce que tu apprends dans ton église. Mais tout ce que je sais, c'est que même vous, les mélomanes, vous, les fans, vous avez une mère. Vos mères ne pourront jamais venir vous étaler, même pas sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas toutes les mères qui sont stars. Mais on va dire, en elles ou bien dans leur quartier, elles ne peuvent jamais dénigrer leur enfant, quel que soit le problème. Si était devenu voleur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Si j'étais devenu un braqueur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Tu allais me renier. Tu allais dire, c'est pas mon enfant. Ils allaient m'abattre dans la rue comme un con, comme on abat les voleurs. On est sept. Et parmi nous, les sept, la chance a souri à trois personnes. À trois personnes. Oui, à trois personnes. À TV3, qui est mon grand frère, de père, mais pas de mère. À ma soeur, Won Marie Emmanuel. Et à moi, Won Ange Didier. Donc, écoute, maman, ma réussite, je la dois à Dieu. Parce que tu es né d'une mère et d'un père aussi, maman. Oui. Et ton père et ta mère sont nés d'une mère et d'un père aussi à leur tour. Mais tout ça par la volonté de Dieu. Bah, tu peux mourir aussi pendant l'accouchement. Bon, tu pouvais m'avorter aussi. Hein. Quand tu me laissais crécher chez tes copains, lorsque j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans même, j'étais tout bébé. Je ne vivais pas chez mon père. Je vivais chez les copains de ma mère. Je n'ai pas eu l'éducation de mon père à 100%. Parce que ma maman avait beaucoup de gars, donc je me suis fait élevé chez des gars, d'autres sont morts aujourd'hui, d'autres vivent aujourd'hui. Tu veux t'exposer sur les réseaux sociaux, maman? Mais tu auras tort et tu auras toujours tort. Parce que de la même manière dont l'enfant, quel que soit ce que sa mère est, doit respecter sa mère, c'est de la même manière aussi que quel que soit comment l'enfant est, on doit respecter l'enfant aussi. Tu ne peux pas me dénigrer comme ça sur les réseaux sociaux à chaque fois. Tu ne peux pas me pourchasser toute ma vie. Tu ne peux pas m'envoûter. Ta malédiction n'agira pas sur moi parce que tu n'es pas Dieu. Que tu sois ma mère, tu n'es pas Dieu. Retenez bien ça. Nos parents ne sont pas des dieux. Nos parents sont des dieux pour nous qui mettent au monde. Mais eux-mêmes, ils prient une seule personne qui s'appelle Dieu parce que c'est lui qui donne la vie. Alors, maman, tu dois comprendre que depuis tant d'années, tu me maudis, mais je n'ai fait que évoluer. Apparemment, ta malédiction me va super bien. C'est ma dernière vidéo. Et je ne vous parle pas en tant qu'Arafat là ce matin. Je vous parle en tant que Didier. J'ai eu une enfance très pénible et très difficile. Aujourd'hui, mon argent, c'est mon argent. C'est la sueur de mon front. C'est le fruit de mon travail. C'est la confiance que mes fans ont pour moi et c'est le respect que j'ai pour mes fans qui me font évoluer. Tu as eu ton temps, tu as eu ton argent. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que la maman d'Arafat vienne pleurer pour 600 000 francs CFA. Non. J'ai jamais vu Tchala Mona faire ça, j'ai jamais vu Sabalana faire ça, j'ai jamais vu Pierrette Adams faire ça. Voilà, ça c'était calibre, c'est ta catégorie, c'est ta génération.
Tu devais même pas pleurer pour 600 000, ça devait être de l'eau pour toi. Sans mon aide, bien sûr, puisque tu as commencé à chanter avant moi. Et moi, je n'étais même pas né. Mais tu as chié, la vieille. Tu as chié et tu vas assumer. Tu as chié et tu vas assumer. J'en ai marre que depuis toute mon enfance, tu me fasses chier. J'en ai marre que tu veux freiner mon travail. Tu as eu la chance d'être célèbre. Tu n'as pas su l'attraper. Tu as eu la chance de faire beaucoup d'économies. Je ne sais pas où c'en est. Mais me fatigue pas. Tu n'auras plus l'occasion de me fatiguer. Tu ne pourras pas m'atteindre. Mes ennemis, vous passez par ma mère. First Magazine, quand vous diffusez des vidéos comme ça de ma mère, vous attendez à quoi en retour? Mais vous inquiétez pas. Monsieur Eloge, tu vas finir où tu finiras. Parce que si tu étais de bonne foi, toi, monsieur Eloge de First Magazine, après le poste que tu as fait, la gendarmerie t'a appelé. Mais t'inquiète pas, ils vont m'occuper de toi. T'as fait venir ma mère dans tes locaux, elle a fait sa vidéo, tu as balancé. Tu veux quoi? Tu veux du buzz sur Facebook? Où seront ceux qui te supportent et ceux qui commentent lorsque tu mets des vidéos comme ça, des célébrités que nous sommes? Où est-ce qu'ils seront lorsque tu crècheras la maca? Parce que là, c'est moi maintenant qui vais rire à mon tour. Parce que tu nous exposes. Tu exposes ma mère. Au lieu de protéger l'artiste que je suis, tu me dénigres. Il n'y a pas de souci. Sachez, dames et messieurs, que je suis au courant. Et je sais qui a fait faire cette vidéo à ma mère. Et je sais qui a envoyé ma mère dans les locaux de First Magazine pour faire la vidéo où elle insulte la dame. Christy B. Tu es vieux, tu as eu ton temps, aujourd'hui tu es devenu promoteur de spectacle. C'est honteux. Tu devais être couché chez toi avec plein de prix, dans une belle villa, des voitures de luxe à ta disposition, terrain acheté, la totale. Repartez sur la vidéo que j'ai postée tout de suite de ma mère en train d'insulter la dame. Faites avancer la vidéo. Partez vers la fin et commencez. Laissez la fin à partir de 1 minute 20 secondes. Et pendant qu'elle parle, avant la partie où elle va parler en anglais, écoutez la voix de la personne qui est en train de lui dire, donne quelques mots en anglais. Eh oui, Christy, j'ai reconnu ta voix. Et maintenant, je sais que tu es un sorcier. Encourage ma mère à faire du scandale, encourage ma mère à se donner en public. Tu ne pourras pas m'atteindre. Tu fais plein de choses que je sais, mais tu ne pourras pas m'atteindre. Christy B, sache que j'étais à l'œil. Mais on est ensemble. C'est ma dernière vidéo, hein. Ça ne va pas m'atteindre. Demain, je vais bien m'amuser. Hé, maman, c'est mon nom. Il a fait comme ça. Et puis il y a eu mon âme. Je ne suis même pas encore milliardaire. Il y a comment ça se passe. Mais t'inquiète pas. Dès que mon album sort, dès que mes projets vont sortir, dès que mes investissements autant pour moi vont porter fruit, quand je vais devenir milliardaire, t'inquiète pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sachez que moi j'aime mon travail. Et moi je vous aime. Mais les attaques, ce n'est pas pour les chiens. Mais quand les ennemis osent rentrer dans ta famille, il faut montrer à ces ennemis-là que malgré qu'ils ont pu rentrer dans ta famille, ils ne sont rien. On est ensemble. Pour l'instant, place au travail. Mon père est décédé. J'ai pleuré. Pourtant, je ne devais pas pleurer par rapport à la formation que j'ai reçue de lui. Je ne le voyais jamais. Il n'était jamais là. Ma mère aussi, elle n'était jamais là.
Moi, j'étais chez ses copines. On m'élevait chez ses copines. Chez ses gars, mais ses gars m'élevaient. Donc, je n'ai pas eu l'éducation de mon père et de ma mère en même temps. C'est un aussi qui s'est débrouillé, qui est devenu ce qu'il est. Dans mon âme, là, c'est mon âme. Voilà, reste tranquille. Tu auras tout ce que ton enfant va avoir. C'est trop difficile. C'est toi qui dois m'éduquer. C'est pas moi qui dois t'éduquer. Même l'enfant peut aider aussi souvent les parents. L'enfant peut aider son papa ou bien l'enfant peut aider sa maman. Ce n'est pas aider en donnant l'argent. C'est aider moralement, physiquement. Et qu'est-ce qu'en retour le parent doit faire? Prier pour son fils. Prier pour que tout puisse lui réussir dans la vie. Mais toi, le bon Valentine, tu n'as même pas ma maman. Toi, c'est le contraire. Dénigrer. Attends, c'est pas parce que la réussite t'a pas réussi à 100% qu'aujourd'hui, moi, ça me réussit, que tu vas vouloir me mettre dans les bâtons dans les roues, parce que ça donne l'impression que même ma propre mère est aigrie de moi. Et c'est vraiment triste de se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Mais puisque elle-même, c'est elle à chaque fois qui va à la télé, à la radio, ben, qu'elle continue. Ceux qui te soutiennent, maman, qu'ils te donnent ton loyer, qu'ils te donnent ta voiture, qu'ils te donnent tout ce que tu veux avoir dans ta vie. Moi, mon argent, sérieusement, je vais prendre mon argent. Après avoir fini de construire ma villa, je vais prendre mon argent. Je vais construire une orphelinat là. Les enfants vont aller là-bas. Je vais acheter un bus. Et ce bus, bon, un car, on m'a dit. Ça va servir à quoi? À aller donner à manger aux petits nourris, les enfants de la rue qui sont dehors, qu'ils voient souvent les matins. Ils sont là, ils sont couchés, ils ont faim. Voilà, ce minibus va servir à leur donner à manger. Je vais faire de mes millions des dons à des personnes qui méritent, mais plus jamais à toi. C'est terminé. Parce que si toi, ma maman, tu m'aimais, tu n'allais pas venir sur les réseaux sociaux pour me dénigrer. Tu n'allais même pas aller même chez la voisine de ton quartier, même où tu habites là, pour parler, même dire le mauvais nom de ton, de mon nom, de ton fils. Tu peux même pas parler, même à ta voisine, en disant, ouais, mon fils, ouais, non, non, non. Non. Maman, je suis pas à 600 000 francs près. Je ne suis même pas même à 10 millions près, 15 millions près, 20 millions près, 30 millions près. Si tu restais tranquille, si tu évitais de te donner un scandale, si tu évitais qu'on dise tout le temps ton nom dans les journaux, si tu évitais toujours d'aller te bagarrer dans les bars de jeunes, tu n'as pas honte quand tu dis que enfant de 15 ans me drague, enfant de 20 ans me drague. C'est honteux. Tu cherches Marie sur Facebook? Tu cherches quoi sur Facebook? Mais non, faut arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon cœur qui parle. C'est un enfant blessé, un enfant qui a souffert, un enfant qui s'est...